Comment nettoyer un matelas Votre matelas est un investissement important. Un bon matelas sur une bonne nuit de sommeil et donc automatiquement plus d'énergie. Malheureusement, des accidents se produisent parfois au lit un animal qui mouille votre lit, une blessure qui provoque des taches de sang ou un autre accident qui laisse des taches permanentes dans votre lit. Vous pouvez facilement laver et remplacer les literies, mais les taches sales resteront sur votre matelas. La bonne nouvelle est que vous pouvez facilement retrouver votre matelas comme neuf. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer soigneusement votre matelas et vous débarrasser des odeurs et des taches. Nettoyez soigneusement votre matelas. Suivez ce guide simple pour nettoyer soigneusement votre matelas et éliminer les allergènes, les odeurs et les taches avec des ingrédients ménagers courants. Dénudez le lit. Retirez tous les draps et couvertures de votre lit avant de nettoyer votre matelas. C'est le bon moment pour tout mettre au lavage afin que votre literie soit à nouveau complètement fraîche. Utilisez la température de lavage de la plus chaude indiquée sur l'étiquette du fabricant pour tuer les acariens. Lavez également vos oreillers et protège-mètre en tissu. Vous pouvez même laver des couvertures électriques. Désodorisez votre matelas. Le bicarbonate de soude ordinaire est un excellent désodorisant naturel. Contrairement au désodorisant pour tapis ou au spray pour tissu, il ne contient pas de parfum qui irait ou sent trop fort. Sopoudrez donc une couche généreuse de bicarbonate de soude sur votre matelas et frottez-le doucement avec votre main pour l'aider à se lier à l'humidité de la surface et à tuer les odeurs. Attention, ne frottez pas trop fort. Vous ne voulez pas que le tissu se détache et que votre matelas se brise, pour ainsi dire. Plus longtemps vous laissez du bicarbonate de soude sur votre matelas, mieux cela fonctionne. Donnez-lui au moins 15 minutes ou plusieurs heures si possible. Passez l'aspirateur. Une fois que vous avez désodorisé votre matelas, vous devrez passer l'aspirateur. Utilisez l'outil de rembourrage pour cela si vous en avez un. Évitez d'utiliser une brosse à rouleau car elle pourra accrocher ou endommager la surface du matelas. N'appuyez pas trop fort, sinon vous réduirez la puissance d'aspiration de votre machine. Assurez-vous de nettoyer également les coutures et les bords, car de nombreuses cellules mortes de la peau et de la poussière s'y accumulent. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à l'embout plat pour cette partie. Enlevez les taches sur le matelas. Vous pouvez enlever presque toutes les taches de votre matelas avec les détachants faits maison ci-dessous. Quelques conseils avant de vous lancer. Suivez les recettes de détachants pour matelas. Assurez-vous d'utiliser les tailles spécifiées pour éviter la décoloration et de ne pas expérimenter vous-même. Cela peut endommager ou détruire votre matelas. Vous pouvez également créer vous-même des taches de cette manière. Ne versez jamais rien directement sur votre matelas et n'utilisez jamais de shampoing pour tapis dessus. Les matelas ne sont pas destinés à être mouillés et moisiront à l'intérieur si vous le faites, en particulier les matelas en mousse à mémoire de forme, car ce sont en fait de grandes éponges. Traitez toutes les taches d'un type avant de passer aux suivantes. Par exemple, enlevez d'abord toutes les taches de pipi jauni de votre matelas avant de traiter les taches de sang ou les taches brunes rouillées. Enlevez les taches avec la bonne méthode. Si votre matelas jaunit par des taches de sueur ou si vous avez l'impression qu'il a l'air sale, Utilisez l'une des formules suivantes pour redonner du blanc à votre matelas. Détachant de sueur. Vaporisez légèrement la zone jaunie de votre matelas avec du peroxyde d'hydrogène jusqu'à ce qu'il soit humide, mais pas détrempé. Vous pouvez généralement placer la buse directement sur la bouteille de peroxyde. Laissez la zone sécher à l'air. La tache s'estompera au fur et à mesure que le peroxyde sèche, mais vous pouvez répéter si nécessaire. Détachant de sang. Nettoyez votre matelas des taches de sang. Aucun problème. Mélangez deux onces de peroxyde d'hydrogène avec une cuillère à soupe de savon à vaisselle liquide et de sel. Appliquez sur la tache de sang et attendez 10 minutes, puis grattez-la avec une cuillère. Utilisez un chiffon propre imbibé de peroxyde d'hydrogène pour enlever tout résidu. Laissez sécher la tache. Si une décoloration brune persiste après séchage, vaporisez-la légèrement avec du peroxyde d'hydrogène. La tache s'estompera au fur et à mesure que le peroxyde sèche. Détachant d'urine. Mélangez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 8 onces de peroxyde d'hydrogène et une petite quantité de savon à vaisselle liquide dans un bol. Utilisez un chiffon pour tamponner le mélange sur la tâche, mais ne la faites pas tremper. Retournez le chiffon au fur et à mesure que vous travaillez afin de toujours utiliser un nouveau point pour enlever la tâche. Épongez l'humidité et laissez sécher à l'air libre. Mousse pour enlever les taches tenaces sur le matelas. À utiliser pour enlever les taches de vin, de vomi ou les taches inconnues sur le matelas. Battez de cuillère à soupe de poudre à laver blanche, pas de cristaux bleus, pas d'eau de javel contenant de l'oxygène, avec une cuillère à soupe d'eau pour obtenir une mousse sèche. Appliquez la mousse sur la tâche, attendez 10 minutes, puis grattez-la. Essuyez la tâche avec un chiffon humide pour enlever tout résidu, puis laissez sécher à l'air.